Et lui à tous et à toutes, hein, c'est Besti. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de la Road Series de The Legend of Zelda The Wind Waker HD sur Wii U. Et je n'arriverai pas à rattraper ce petit bateau, donc je vais devoir prendre le mien. Donc nous voilà pour la suite donc de cette Rapsolus magnifique, magnifiquement abordable. Non, je dis de la merde. Donc dans la dernière vidéo, bah, on avait réussi à avoir l'arc, on avait eu un nouvel... On avait battu Cyclos aussi, donc j'ai développé les photos, hein, vous inquiétez pas. Alors, donc dans cette vidéo, on va faire quelques petites quêtes secondaires, encore une fois. Enfin, on va se balader un petit peu, tout du moins. Et on va ensuite, donc peut-être... peut-être quoi peut-être, oui, vers la fin de la vidéo, commencer encore... Enfin, continuer la quête principale. Alors, donc j'achète la carte de Terry que je n'avais pas pu acheter avant. La carte au trésor. Thank you. Ok, bye. Non, c'est bon, je peux m'en aller. Tu ne me sers plus à rien. Je sais, c'est un petit peu méchant de dire ça, mais voilà. Donc je raye ça de ma liste. Alors ensuite, qu'est-ce que nous allons bien faire? Nous allons... aller sur Mercantile, parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas fait apparemment. Il y a une carte au trésor que j'ai pas réussi à avoir. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs que j'ai pas réussi à avoir cette carte. Donc bah, on va y aller. Donc voilà, grâce au Requiem de la Tornade, bah, on peut se déplacer beaucoup plus rapidement. Ce qui va me permettre bah, de pas faire trop d'ellipses. Voilà, même si c'est trop long. Alors, donc on est... sur Mercantile. Donc, alors... Ah, il y avait une photo aussi que je devais prendre, que j'ai pas pu prendre avant. Alors, est-ce que le monsieur va être là? Alors, on ne sait pas, on va devoir voir par nous-mêmes. Alors... Ah ouais, mais il fait nuit, il sera peut-être pas là. Quel est... Champ du Soleil. Voilà. Alors ce qui est pas mal aussi, enfin je crois que j'ai déjà dit mais je le redis, voilà, sur le gamepad, quand vous activez la baguette, sur le gamepad vous avez bah, les différents champs. Donc comme ça vous n'êtes pas obligé de faire start et d'aller dans les champs pour voir ce que vous devez faire. Alors est-ce que mon bon monsieur est à sa place? Oui, il est là, voilà, donc c'est lui que j'ai pas pu photographier avant. Alors... Voilà, donc ça c'est fait. Je vais maintenant aller chercher ma petite carte au trésor. On ira chercher les trésors aussi des cartes que j'ai déjà. Donc ma carte au trésor que je n'ai pas. Et ben en fait c'est celle du mec qui fait les jeux. Merde, comment on dit? Voilà, la bataille navale. Parce qu'apparemment c'est lui que je n'ai pas. Oui, bon, ça, je savais déjà. Ok. Ok. Donc, voilà. Bah, on se retrouve... Ok. Alors, celui-là... Ah putain, là, le dernier il est où? Ah putain, quel enfoiré. Donc bah c'est dommage, allez, oui, on va rejouer. De toute façon j'ai pas mal de rubis, même si les rubis j'aurais voulu les garder pour acheter autre chose. C'est bizarre parce que dans ma première vidéo, c'est le enfin dans ma deuxième où... ok. Par contre, je crois qu'il faut que je fasse moins de 20.
Ah bah voilà, la carte au trésor qui me manquait. Enfin, qui me manquait, non. Mais voilà, c'est une carte au trésor que j'avais oubliée. Donc bon, bah c'est... Voilà. Donc, bah voilà, hein, si vous l'avez oublié, ça c'est fait. Alors, je vais donc créer ça de ma liste. Hop. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons aller faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'achète les photos aussi qui me manquent au... Bah, au mec qui fait les photos. Parce qu'il y a des photos qu'on ne peut pas avoir, qui sont rares, et qu'on ne peut avoir qu'en les achetant à ce monsieur. Ok. Ok, bon, pourquoi tu ne veux pas... Je ne sais pas, c'est bizarre. Bon. Parce que voilà, normalement, cet homme, la nuit, ou à chaque pleine lune, je sais pas. Je ne sais plus. Bref, cet homme vous donne donc des clichés que vous ne pouvez pas photographier normalement bah, dans le jeu. Et donc, ça vous donnera bah, la figurine adéquate. Seulement, il veut pas me la donner. C'est bizarre, parce que la dernière fois que je lui ai parlé, il me l'avait donnée. Bon, bref, alors, donc, nous allons aller en D6. Putain, c'est tout en bas, oh, fait chier. Ou en D4. Est-ce que le requiem de la tornade peut nous y amener? Comme ça, je serais pas obligé de faire d'ellipse. Ouais, le plus près, c'est celui-là. Par contre, voilà, l'animation, on peut pas la zapper, ce qui est un petit peu dommage. Bon, bref, c'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout. Alors, on va partir sur la gauche. C'est par là. Par contre, c'est quoi comme île? Ah ouais, mais... Ah ouais, d'accord. Ah, il me manque peut-être une carte aussi dans le truc naval. Je ne sais pas. Voilà, donc le petit rayon de lumière qui donc signifie que mon trésor se trouve là-dedans. C'est mon trésor! Il est à moi! Je sais pas si je suis au bon endroit. Ah bah si, je suis pile au bon endroit. Super. Voilà, vous avez plein d'autres petits trésors. Hein. Si vous voulez avoir de l'argent, bah prenez-les. Un rubis argenté. Yes, génial. Ok. Ensuite, bah on va en D6. C'est tout en bas. Il me semble qu'on peut pas y aller autrement. On va y voir. Ah bah si, je peux y aller pile poil en fait. On va y aller. Ok, donc faut que je raye. Ça c'est fait. D6. Oh, y a des trésors que je vais manquer certainement. Bah mon trésor devrait se trouver ici. C'est bizarre parce que il n'a pas l'air de s'afficher. Ah, petit trésor, tu es là. Ok, je dois y être aussi pile poil, c'est génial. Par contre, cette île des fées, je crois que je suis déjà allé. Hein. Il y en a deux où je suis pas allé, mais celle-là, il me semble que j'y suis déjà allé. Ah, bah un petit quart de cœur, ça fait plaisir. Est-ce que je suis déjà allé ici? Oui. Ok, ensuite on va aller... Bah à côté. Ça tombe bien. Juste à côté. J'ai pas besoin d'utiliser la tornade.
Pas mal de trésors. Et le mien, il est où? Où est mon trésor? Normalement, c'était ici. Bah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre tout ça. Où est mon trésor? Ah bon bah apparemment mon trésor ne se trouve pas ici. C'est bizarre parce que il devrait se trouver ici. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc notre prochain, il est là-bas. Alors on va y aller à la mer, par la mer aussi. On va pas faire d'ellipse vu que c'est à côté. Enfin, mon prochain il est là-bas. Après, si je me trompe, il sera pas totalement là-bas, mais normalement c'est, il devrait être là-bas. Ok. Bah, je pense que ouais, on aura largement le temps de continuer la quête principale en fait. C6. Ouais, c'est bizarre qu'il n'y a pas de trésor là-bas. Donc, bon, c'est pas grave. Tiens, bah là, il devrait y avoir un petit trésor. Voilà, il est au bout. Donc, cette île, normalement, on va pas tarder à y aller. Juste après la forteresse maudite, il me semble. Ah, non, j'y suis pas du tout. Putain, maintenant faut que je regarde la carte. Ah, j'y suis presque. Hop, je note. Et encore un rubis argenté, génial. Ok, alors maintenant. Tiens, il y a un sous-marin qu'on n'a pas fait aussi. Je viens de m'en rendre compte. Enfin, qu'on n'avait pas pu faire. Bah, vous savez quoi, on va y aller. Comme ça sera fait. Wouhou! Franchement, c'est trop génial d'avoir le Requiem de la Tornade parce que bah, ça, on va beaucoup plus vite. Même si ils ont inclus la voile rapide qui est franchement très utile. Mais le Requiem de la Tornade sert quand même pas mal. Ok, donc normalement le sous-marin qu'on n'avait pas réussi. Ah oui, je me souviens, c'est parce qu'il y avait les monstres, enfin les sortes de sorciers volants là qui vous jetaient, qui nous jetaient des flammes là et ça m'a vite gavé, je m'en souviens très bien même maintenant. Mais vu que j'ai l'arc et les flèches, c'est une autre histoire. Donc je vais pouvoir lui régler son compte. Tiens, le sous-marin est là-bas. À l'assaut du sous-marin! Et on a une tour de guet aussi à voir. On a plein de choses à voir. Est-ce que tu te souviens de moi? Je vais te faire la fête cette fois-ci. Ah oui, avec tous les petits trucs là qui nous enchaînaient, putain, je m'en souviens très très bien. Yeah! Et en plus, j'ai l'Excalibur! Donc je vais tous vous latter! Ok, t'es où? Tiens. Voilà. Alors par contre, j'espère que j'aurai assez de flèches. Ah bah les flèches, je peux les récupérer. Alors maintenant que j'ai... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je disais que maintenant, voilà, j'ai l'Excalibur. Vous voyez qu'en un coup, voilà, les blocs, je les massacre. Non! Ça va prendre apparemment un petit peu de temps vu que lui commence à me saouler. Un petit cœur. Ah oui, non, mais maintenant là
ça va. Ah putain, je me prends le feu à chaque fois. Voilà. Yes, voilà, maintenant, c'est bon. Bon, c'est un petit peu chiant quand même, mais j'y suis arrivé. Donc je vais pouvoir rayer le petit sous-marin. Et la carte des tours de guet, tiens donc. Je ne savais pas que ce sous-marin contenait la carte des tours de guet. Il nous manque la carte des calamars, la carte des cœurs, la carte des cartes de trésor, je crois, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des cartes qui sont très intéressantes. Mais pour ma part, ça me sert pas trop. Alors, on va aller en... Ok, c'est par là-bas. Donc on va y aller aussi comme ça. Donc on va aller chercher notre dernier trésor, quoique je dis un petit peu du caca. Non, on va aller d'abord par là-bas. Parce qu'il y a les tours de guet qu'il faut que j'aille revisiter. Ensuite on va chercher un dernier trésor et ensuite on va aller à la forteresse maudite. Quoique à la forteresse maudite il me semble qu'il y a un trésor aussi à ramasser. Donc ça tombe bien. Par contre j'aurais aimé aller un petit peu plus vite, si ça serait possible. Ah ah, mes fameuses tours de guet. Je vous ai maudit. Vous vous souvenez de moi, vous allez crever. Hop. Et monte. Comme ça, on aura fait le plus gros du boulot, je pense, avec tout ce qu'il y a à ramasser. Alors évidemment, il y aura encore des cartes au trésor qu'on va ramasser. Mais voilà, je pense qu'on a déjà fait le plus gros. Tiens. Ok, bon, bah normalement... Ah, voilà. Je me disais aussi, c'était bizarre parce que... Il devait y avoir encore... Normalement, il doit y en avoir encore un. Oula, oui, d'accord. Il y en a un autre. Il est où? Normalement, j'aurais assez de flèches. Je crois que c'était celui-là, oui, que j'arrivais pas à voir parce qu'il était... Voilà, je t'ai eu. Et donc, un coffre apparaît. C'est bien ce qu'il me semblait. Et encore, oula, encore une carte au trésor, putain. Pas mal de cartes au trésor, là. Ok, alors. Donc, maintenant, on doit aller en E2. Et c'est par là-bas. Tiens, tiens, il y a des goélands. Ah bon. Enfin, des mouettes, des goélands. Je sais pas trop... Je sais pas trop la différence, mais... Voilà, ça devait être... Ah oui, c'était à cet endroit-là où il y avait un calamar, il me semble. Ok, on va en E2 chercher notre petit trésor. Ensuite, on va aller à la forteresse maudite, combattre Ganon. Ganondorf, pour le tuer, éventuellement. Parce qu'il a été méchant. Par contre, il n'y a pas d'île sur ce... Ah si, il y a une île. Parce qu'en fait, vous avez au moins... Je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Il y a au moins un minimum... Il y a au minimum un trésor sur chaque île, donc sur chaque morceau de la carte. Et ensuite des trésors annexes, il me semble, ou quoi que ce soit, je ne sais plus. Ouais, je dois y être
pile poil. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, un trésor encore récupéré. Tiens, bah, je vais faire un tour sur l'île. Parce qu'il me semble qu'avec les bombes, je peux me frayer un chemin et avoir des trucs supplémentaires. Ouais, encore un quart de cœur. Génial. C'est magnifique. Hop. Alors, par contre, où est l'entrée? Elle est là. Voilà, parce que j'étais déjà passé ici pour avoir un quart de cœur, sauf qu'il me semble que maintenant, vu que j'ai les bombes, je peux avoir des trucs supplémentaires. Enfin, il me semble, hein, après... Ah oui, il y a plein de chuchus, c'est vrai, je me souviens. Voilà, par exemple, là... Oh, là, on a un coffre. Qui contient un pendentif du bonheur, ok, sympa. Putain, j'aurais peut-être dû lui donner les pendentifs du bonheur à la maîtresse pour voir ce qu'elle allait me donner. Ok, donc là, on a un coffre, ça sert à rien. Là-bas, il y a quoi? Tiens, il y a un rocher aussi. Et bah, on a encore un coffre. Qui contient un rubis violet. Ça fait toujours plaisir. Bon, bah voilà, hein, je vous ai montré qu'il y avait deux coffres complètement inutiles, hein, sauf si vous voulez des sous. Mais voilà, ok. Bon, bah, hop, on remonte. Alors, j'aurais bien aimé aller sur l'île. Je crois qu'on peut pas y aller encore pour le moment avec la tornade. Parce qu'en fait, il y a une île que vous ne pouvez accéder qu'avec la tornade, donc le requiem de la tornade. Mais je crois qu'on peut pas y aller pour le moment. Enfin, ça va nous dire, vous ne pouvez pas accéder à cette île, il me semble. Hop. On va essayer de se rapprocher au maximum. Ah ouais, mais justement, c'est l'île qu'on ne peut pas aller, où on ne peut pas aller. Est-ce que je peux y aller? Ouais, mais je crois qu'il va rien avoir d'intéressant, en fait. Bon, on va essayer de se rapprocher avec l'île de Tingle. Ah, l'île Géminée, c'est une île qu'on ne peut accéder que par la tornade. Et ça... Enfin, c'est très important pour la suite du jeu. Enfin, pour la suite de la quête principale, plutôt. Ok. Qu'on aille par là. Bah, je vais y aller, justement, et vous allez voir que... qu'on ne peut y accéder, justement, que par la tornade, parce que... C'est une sorte de volcan, en fait. Enfin, je m'exprime trop mal, mais vous allez voir. Donc, il y a un requin qui me suit, mais il ne m'attaque pas. Ok. Requin, tu ne fais pas ton boulot. Tu dois m'attaquer, normalement. C'est pas grave, mais si, c'est grave. Waouh. Petit lag. Non, je ne voulais pas ramasser de bouteilles. Voilà, donc en fait, c'est une île qui est fermée et où vous ne pouvez pas accoster, à part le petit îlot là qui est juste là. Mais sinon, voilà, c'est une voilà, c'est un truc refermé et vous ne pouvez accéder que par la tornade. Voilà, voilà. Il y a des méchants. Ouais, Ruby. Salut. Donc il y a un trésor sur cette île, enfin un trésor d'une carte au trésor que je vais essayer d'avoir. Oups, pardon. Putain, alors comme par hasard il pleut, il neige, il fait plein de trucs, c'est super chelou. Bon, où est mon trésor? Parce que c'est bien gentil tout ça. Mais je veux mon trésor. Ah, là-bas. Ah, évidemment, vous faites pas voir par les... Ah bah, il tire quand même. Putain. Quelle était ma carte au trésor?
suis en train de voir. Hein. Je m'excuse pour... pour ça. Non. Allez, va plus vite. Ah, c'est bon. Encore un peu. Voilà. Ah oui, j'ai oublié d'aller là-bas. Bon, c'est pas grave, de toute façon. On ira après. Quoique, non, je suis déjà allé. Ah oui, oui, j'y suis allé. Alors, donc, pour ouvrir, bah, hop. Voilà, on se prive pas. Putain, ça lag, hein. Wouah, ça lag à mort. Je sais pas ce qui lag, mais... Donc ça, je peux le rayer, parce que je l'ai déjà fait. Et la forteresse maudite aussi. Voilà. Hop, je quitte ça. 2 secondes. Ganon sait sans doute déjà que nous sommes infiltrés ici, mais tu as l'épée de légende. Utilise cette épée contre les monstres et va délivrer ta sœur. N'aie aucune crainte. Ok. Hop, je raye ça. Je ferme ça. Et c'est bon. Alors, déjà, premièrement, appareil photo oblige, parce qu'il va y avoir des monstres qu'on n'a pas encore vu et qu'on va devoir photographier. Par exemple celui-ci. Alors je sais pas s'il faut le photographier, je vais essayer. Ouais, alors par contre, ce serait gentil que tu ne puisses... Ah, non... Tu vas pas réapparaître. Faudrait que tu réapparaisses en l'air, mon petit. Ah, est-ce que... Vite. Ah oui, donc voilà. Vous devez bien le photographier. C'est bien ce qui me semblait. Ok, ça veut dire quoi ça? Link, ton adversaire est un numéro de table, mais n'aie pas peur. L'épée de légende a le pouvoir de repousser le mal. Laisse les projectiles de ton ennemi s'approcher et renvoler avec ton épée. Tu as toutes les chances de gagner cette bataille. Ok, il faudrait déjà que... Voilà, donc comme il vient de le dire, il faut lui renvoyer sa boule d'énergie. Voilà. Donc je l'ai pris en photo, vous pourrez le recroiser, cet ennemi. Mais bon, comme ça, ça sera fait. Tiens. Ah merde! Putain, t'es un boulet. Ah ouais, ouh, carrément. Mais reviens sur la terre, débile! Ce monstre est un petit peu débile. Tiens, tu vas crever, oui. Et regarde où tu vas, putain. Ah mon dieu, je crois que je l'ai fait bugger en fait. T'es où? Ah bah enfin. Tu es mouru. Ah, le rire trop maléfique et trop mal fait. Donc les portes s'ouvrent et on va pouvoir y aller. Ah, ouh, un coffre. Ah oui, c'est là où je vais recevoir, normalement. Et je reçois la masse. Voilà, donc c'est un nouvel objet. Donc la masse vous permet de détruire certains objets et d'écraser certains obstacles. Un coup de masse sur le sol immobilise aussi certains ennemis quelques instants. Voilà, c'est un objet qui va me servir pour les énigmes et autres choses. Hop. Par contre, j'aimerais bien rentrer. Voilà. Alors.
Donc j'avais déjà, souvenez-vous, récupéré la boussole et... par contre, où elle est rare, non, ça m'intéresse pas trop. Un rubis rouge. Donc j'avais déjà récupéré la carte et la boussole. Tiens, il me restait un... Tiens, il y a un trésor que j'ai pas récupéré, dis donc. Ok, bon bah on va aller le récupérer. La masse. Voilà. Donc par exemple, vous avez des obstacles comme ça, et ben la masse, tout simplement, voilà, vous permet... Normalement... Tiens. Par contre, toi, il me faut ça. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai l'épée de légende, tu dis plus rien, hein. Ruby. Ok, alors, on va aller récupérer le trésor que j'ai pas pu récupérer, bizarrement. Je pensais pas... Aïe. Ok, bon. Ah bah, je croyais qu'il y avait un... Putain, t'es à moitié dans le mur, monsieur. Donc je pense qu'après la... Après la tour, on ira aller... on ira voir... Merde, la carte. On ira voir les deux dernières fées. Ouah, la main. Faut que je la photographie. Seulement... Ok, bon, c'est bon. Je l'ai eu. Voilà, donc vous avez la main à photographier. Alors, je sais pas si vous pouvez photographier que le trou. Non, ça marche pas, voilà. Donc, vous devez faire apparaître la main. Alors, ce qui est assez dur, voilà. Donc, par contre, si vous lui foutez un coup d'épée, elle reste, voilà, pendant un petit instant en l'air. Donc là, je sais pas où je vais apparaître. Dans la prison, je crois. Ouais. Comme d'hab. Voilà, donc la main des fois elle apparaît. Alors je sais que dans le prochain donjon les mains elles vont rester en l'air. Donc voilà, bah. Pourquoi je suis au premier étage? C'est bizarre ça. Voilà, donc bon bah moi j'ai réussi à la prendre en photo. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Ah oui, mais là... Bon bah on va passer par les airs, hein. Ça ira plus vite, je pense. Alors à savoir qu'il faut encore neutraliser les phares. Oh merde. Tiens, bah, je suis juste en dessous du trésor, en fait. Tiens, bah, il est là, le coffre. Merde, j'ai oublié de prendre ton pendentif du bonheur. Fais chier. Oh, il l'a lâché. Merci. Ah oui, il y a le truc qui tire des rayons laser. Ok, c'était qu'un rubis, un rubis jaune. Merci, sympathique. Ouais, mais par contre, là, maintenant, faut que je remonte. Ok. Oula, eh, oh. Merde, oh là là, je fais n'importe quoi. En plus, on va pas tarder à se quitter, malheureusement. Je vais essayer quand même de faire le maximum de choses. Aïe. Merci de me laisser passer. Tout, 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 tout. Hop. Ok. Ben non, évidemment. Et là.
Non plus. Ah, c'était de l'autre côté. C'était un quel débile. Et vous pouvez le dire, mais quel débile. Oh, ah oui, d'accord. Donc je reviens ici. Pourquoi pas? Toi, tu te tais. Renflouez-vous hein, au niveau des rubis ou des colliers macabres, justement, comme ça bah, vous en aurez un maximum et vous pourrez avoir un petit peu d'argent, même beaucoup d'argent. Ah. Ok, alors. Là non. Eh? Quoi? Ok. Putain, je savais plus qu'il y avait un truc qui tirait des lasers là. C'est ma faute! Putain, fais chier, à chaque fois je change d'objet et... Donc normalement il n'y a plus de coffre, hein. Sur la carte que j'ai vue, il n'y a plus de coffre que je dois avoir. Ouais, Link, si tu pouvais monter à l'échelle, ça serait pas mal. Alors, coucou messieurs, vous vous souvenez de moi, sauf que maintenant j'ai une épée et je peux vous la dé. Voilà. Un pauvre petit cœur. Là, je peux pas monter. Mince. Ah oui, donc à chaque fois que je me fais prendre par les projecteurs, c'est les machins qui arrivent. Ok, c'est bon à savoir. Hop, toi, tu es dead. Tu m'as rien lâché, merci. Par contre, celui-là, là-bas. Hey hey, petite ruse, petite ruse. Ça t'embouche un coin. Hop. Voilà, on aura. Putain, elle est quoi? 38 minutes. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Parce qu'après, on a un boss, enfin, un genre de boss qui est assez long et assez dur. Hein. Donc, je préfère. Ouais, je vais m'arrêter devant. Faudrait que j'aille en face. Aïe. Non, non, désolé, je ne suis pas là. Au revoir. Ne m'attaquez pas, surtout. Ah, coucou. Voilà. La masse. Alors, la masse ne sert. Tiens, tiens. Ouais, je vais monter directement par là, comme ça me servira. Quoique, est-ce que je peux l'atteindre avec le. La masse sert pas vraiment au combat, hein. À part immobiliser les ennemis, alors elle fait mal, elle fait même beaucoup plus mal que l'épée. Mais je vais pratiquement pas l'utiliser pour battre des ennemis, sauf certains ennemis où justement vous êtes obligé bah, d'utiliser la masse. Ah putain, je suis pas... Ah bah oui, évidemment. Link est trop stupide pour arriver pile poil sur le machin. Je vais réessayer une deuxième fois, sinon on va y aller. Bah, à pied. Allez, là, tu vas pile dessus. Eh ben non. Link est trop con. Excusez-moi de dire ça, mais c'est un petit peu la vérité.
Mon dieu, bon, on va y aller. Bon, ça va durer, on va durer un petit peu plus longtemps dans la vidéo, mais. C'est vrai que c'est un peu casse-couille tout ça. Putain, en plus, il y a le truc qui crache des rayons laser là. Non, non, tu m'as pas vu. Il y a un cochon qui crache des lasers avec ses yeux. Pas mal, pas mal. Bon, toi, hop, je te prends ton collier et je me casse parce que j'ai pas le temps de te battre. On va essayer de faire ça vite. Ah non, 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 j'ai pas le temps. Laissez-moi tranquille. Excusez-moi, excusez-moi. Putain, le truc me suit depuis tout à l'heure, quoi. Ah merde. Ouais, par contre, là, je vais être un petit peu emmerdé. Parce que j'ai pas pris la masse. Ah oui, la partie chiante du jeu. Putain, j'aurais même pas pu faire ça. J'aurais pu faire autre chose. Alors, j'aime bien ces bestioles parce qu'elles grimpent sur les murs. Sauf que bah c'est un petit peu stupide comme truc parce qu'ils peuvent pas vous attaquer. Voilà, le truc que je pouvais faire, c'est ça. Alors si je me plante, je sens que je vais tuer la console. Ouais, je la jette par la fenêtre. Putain, je le sens pas trop trop. Ouais, c'est bon. On est trop ouf. Voilà, et passé cette porte, donc va y avoir une cinématique et on va battre un boss. Donc je vais m'arrêter ici. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour la suite de Zelda. Prenez soin de vous, y'a plus tout le monde. Ciao, ciao!